Que tu dis pas? Tu dis pas? Sur cette carte, il y a au total 1514 immeubles qui sont dans un état de délabrement extrême. Dans le cas des immeubles délabrés, on réagit à une situation d'urgence. Il y a des gens dont la vie est en danger. Tout peut arriver dans ces immeubles. Ils peuvent brûler, s'effondrer. Ces gens sont dans des pièges mortels. Nous voulons les emmener dans des lieux sûrs. Il dit que vous devez quitter l'immeuble et vous ne voulez pas partir. Alors, que ressentez-vous? Donc tu te sens trahi. La mairie est dans son bon droit. Il faut qu'on sorte ces gens de ces immeubles. C'est dangereux pour eux d'y rester. Ce sont des lieux de non-droit. La mairie aujourd'hui travaille main dans la main avec les propriétaires d'immeubles. S'ils viennent et exproprient les résidents ici, les gens n'auront pas la possibilité de revenir ici et de louer un appartement, parce que le loyer sera bien plus élevé et qu'ils ne pourront pas payer. Donc ils créent plus de taudis parce que les gens ne retournent pas dans les townships. Ils emménagent dans l'immeuble d'à côté. Ils sont nombreux à vivre dans ces immeubles délabrés, peut-être 600-700 000 personnes. Ils sont venus à nous à la recherche d'un toit et on leur a donné. Ils ont versé un loyer? Non. Non, personne ne paie le loyer ici. Nous sommes 600, tous des gens démunis. Nous mourons de faim, pas de revenus, désespérés, pauvres. Les plus pauvres des pauvres. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Ça a commencé en 2002. La mairie a attendu jusqu'à ce que cet immeuble ait 1 million de rands en charge impayée. Elle a attendu exprès, parce qu'ils veulent nous exproprier. Et mettre des locataires à vie, pour gagner de l'argent. C'est pour cela que l'immeuble est dans cet état aujourd'hui.